J'ai commencé par un bac scientifique classique et après j'ai fait une licence en biologie des organismes et des populations et donc un master en biodiversité, écologie, évolution, le nom complet et en conservation de la biodiversité plus précisément. Je voulais pas rester dans la recherche parce que mon master a été plus dédié à faire de la recherche en labo, et donc je cherchais des stages de recherche appliquée, et on a eu une problématique avec la SNCF que, par une connaissance d'un professeur de fac qui avait des problématiques d'espèces invasives au bord des voies ferrées, et qui voulait savoir concrètement, scientifiquement, ce qu'on pouvait faire, et notamment avec l'éco-pâturage, donc avec les moutons, si ça fonctionnait ou pas. Et donc, elle cherchait un stagiaire, et donc j'ai commencé par faire un stage là, sur ce sujet-là, qui m'a vachement plu. Et donc, de fil en aiguille, après j'ai fait une alternance, et après j'ai fait la prestation, et maintenant je suis embauchée officiellement en tant que spécialiste maîtrise de la végétation. Ma formation me sert de façon très concrète pour avoir des capacités rédactionnelles et avoir du recul sur certaines choses. Elle me sert aussi à avoir des. J'ai des capacités comme certaines en botanique hein, et surtout en biologie végétale. Je connais le fonctionnement des arbres et de la végétation. Donc je sais concrètement ce qui se passe et pourquoi il faudrait qu'on agisse de telle ou telle manière. Et ça me sert aussi dans le cadre des expérimentations, quand on essaye de mettre en place des expérimentations pour trouver des solutions plus pérennes sur, par exemple, comme on l'a fait aussi en stage, avec une espèce spécifique, la renouée du Japon, où on essaie de trouver une solution. Et donc là, c'est toutes les capacités scientifiques de lecture d'articles scientifiques, de recherche bibliographique, d'essayer des protocoles expérimentaux. Donc j'ai des homologues qui font des recherches scientifiques en collaboration avec l'INRA, etc., pour atteindre des solutions pérennes sur ce genre de problématiques.